Qu'est-ce qui t'a amené à nous parler des effets chaotiques imprévus? Ben, l'actualité, bien sûr, puisque l'actualité, c'est la fameuse sardine qui bloque le port de Marseille, ou plutôt le Ever Given qui bloque le canal de Suez, à lui tout seul. Alors, pour ceux qui étaient réfugiés dans une grotte ces 15 derniers jours, sachez qu'il y a eu un accident dans le canal de Suez. Il y a un petit navire de 400 mètres de long, 400 mètres de long, qui fait 59 de large, qui est un modeste poids de 220 000 tonnes, avec 20 000 containers à bord, c'est-à-dire 20 000 personnes minimum qui attendent l'arrivée de leurs marchandises, minimum, parce qu'il y a souvent, on charge les conteneurs avec des tas de choses dedans. Et pour vous donner juste une idée, ça c'est le fameux Empire State Building comparé à notre Ever Given. Donc Evergreen c'est la compagnie, hein, et Ever Given c'est le nom de la. Et alors Patrick lui était persuadé que la raison de cet accident, c'était un gars qui avait oublié son permis et qui voulait faire demi-tour. Mais en fait, il semblerait que ce soit une tempête de sable. C'est un bateau qui est un peu sensible au vent. Alors, les conséquences de ça, eh ben, il y a 450 navires comme lui qui sont bloqués. Alors, le canal de Suez, je vous rappelle, c'est 10% du commerce mondial. Et l'estimation par les compagnies d'assurance à date, c'est quelque part entre 6 et 10 milliards de dollars de pertes pour ce petit. Oups, vous allez rire, j'ai juste planté le nez de mon bateau dans le sable du canal. Alors, le chaos, c'est avant tout un concept mathématique, hein. Le chaos, c'est des modélisateurs qui se sont dit, mais c'est marrant parce qu'il y a des moments où si on change des données, donc des données en entrée d'un système, et qu'on les change de manière insensible, c'est-à-dire en dessous de la précision de mesure des instruments. Donc, ce qu'ils appellent les petits effets, eh ben, ça a des grandes conséquences. Donc, le fameux effet papillon. Alors, effet papillon, hein, on doit ça à un chercheur qui, lors d'une conférence à Rio, disait un battement d'ailes de papillon à Rio peut provoquer une tempête aux États-Unis. Alors, on a oublié la deuxième partie de sa phrase, qui est le battement d'ailes suivant peut annuler la tempête. Donc en fait, on est constamment avec des battements d'ailes de papillons qui menacent une tempête, mais qui ne le font pas. Alors à cette époque-là, un petit peu, enfin, ce qui amène à cette compréhension du chaos, c'est une expérimentation dans les 10 ans plus tôt, donc début des années 60. Et ce que vous voyez là, c'est un ordinateur. Oui, c'est comme ça que ça sac ressemblait à un ordinateur à cette époque-là. Je dis ça pour ma fille qui n'a certainement pas connu ça. De la même façon qu'elle n'a pas connu cette TI 57 programmable, qui est une œuvre de boomer, un souvenir de boomer, mais qui avait à peu près la même puissance de calcul que le fameux ordinateur qu'on a vu précédemment. Et à cette même époque, hein, alors que nous, boomers, nous étions en train de nous extasier sur nos TI-57, la performance, c'était le Cray One, qui a une puissance de calcul à peu près équivalente à celle du Samsung que vous avez dans la main. C'est dire comme les choses vont vite. Revenons à notre ordinateur, dans sa salle, qui coûtait une fortune et qui n'était qu'à un exemplaire dans une université. Donc, les chercheurs avaient accès à cet ordinateur pour une journée, puis après, il fallait attendre leur tour. Et avec ça, ils ont commencé à faire toutes ces brillantes modélisations de météo. Ils se sont dit, tiens, en tout cas les chercheurs en question, se sont dit, tiens, on va essayer de voir comment on peut modéliser les changements que donne un changement de température, un changement d'hygrométrie, un changement de pression, un changement dans la vitesse des vents. Et donc, les résultats de ces brillantes opérations arrivaient sous forme de cartes perforées. Oui, tout à fait.
Là encore, un souvenir de boomer. J'avais beaucoup de ces cartes perforées à la maison, puisque ma mère ne savait pas trop quoi en faire. Ça servait de fiche de notes. Après avoir fait tourner leur modèle, ce qu'ils ont vu à travers les cartes perforées, c'est que le résultat de l'opération, c'était une fameuse tempête de sable. Mais un mois plus tard, quand ils revenaient sur leur ordinateur et reprenaient les chiffres du mois d'avant, je vous rappelle toujours sur cette forme très lisible, avec un souci scientifique de vérifier leur calcul, donc en partant un pas en arrière, un décalage N-1, pour pouvoir vérifier que quand ils arrivaient à N, tout était bien calé. Sauf que quand ils arrivaient à N, c'était plus une tempête de sable, c'était une tempête de neige. Mais qu'est-ce qui a changé? On a pris les mêmes chiffres. Alors on a juste fait une simplification deux chiffres après la virgule. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 37 degrés 001, on a pris 37 degrés 000. Et cette simple différence faisait la différence entre une tempête de sable et une tempête de neige. Petits effets, grandes conséquences. Voilà la notion même de chaos. Des petites choses qui changent complètement le monde. Une petite chose qui change complètement le monde, qui bloque 10% du commerce mondial pendant une semaine. Et ils ont eu chaud, hein. Ils se sont dit, et si c'est 2 semaines, comment ça se passe? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un de vos containers sur ce porte-container. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut en dire, quoi? Ben ouais, désolé, quoi, on s'est planté. Enfin, pas de chance. Mais à l'échelle du commerce mondial, c'est plus difficile à se dire parce que ce même Evergiven, il y a 2 ans, il a quelque peu froissé un petit bateau dans le port de Hambourg. Toujours pareil, le vent l'avait déporté. Et oups, là, vous allez rire, je crois que j'ai fait une bêtise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on s'aperçoit que ce sont des choses a priori impossibles à contrer. En réalité, on a quand même des éléments, mais difficile d'appréhender leurs conséquences. Donc, vous êtes entrepreneur, vous faites quoi face à des éléments comme ça? Donc, il y a le fameux plan B. Est-ce que vous avez un plan B? Dans le cas présent, probablement la route sud. On passe par le cap de Bonne-Espérance. Mais est-ce que c'est vous qui décidez la route que va prendre le bateau? Après, vous pouvez avoir des fournisseurs plus chers, mais locaux, et que vous gardez au chaud pour le cas où. Encore faut-il que vous les fassiez travailler de temps en temps, parce que sinon, ils vont disparaître et vous n'aurez plus que le fournisseur chinois. L'équivalent au niveau de votre entreprise, c'est d'avoir des adjoints toujours prêts à remplacer votre patron d'unité qui a un accident. Ce qui est un peu une suite, même si différent du plan B, c'est la redondance. Est-ce que vous envoyez vos containers dans des bateaux différents? Est-ce que les ports d'embarquement et de débarquement de ces deux containers sont différents? En conclusion, je vous rappelle cette citation de ce grand homme. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Jacques Chirac s'était aperçu qu'en général, un accident n'arrivait jamais seul et il n'arrivait jamais au bon moment. Évidemment, hein, les Black Swans sont partout. Et bien écoutez, ne pas se préparer à des accidents, c'est se préparer à l'échec. Dernier point qui est un point de réflexion, c'est la question des externalités négatives. La compagnie Evergreen a bloqué 10% du commerce mondial, a créé une dizaine de milliards de dommages. Est-ce qu'ils vont être capables de payer ça? Et
sachant que c'est la deuxième fois que ça arrive à leur bateau, est-ce qu'on n'est pas en droit de penser qu'ils ont une responsabilité? Compagnie Evergreen, compagnie taïwanaise, deuxième ou troisième mondiale, ce n'est pas un armateur grec qui a récupéré un pétrolier au bord de coulée, hein. C'est une grosse entreprise qui a fait appel aux dernières technologies, aux derniers bateaux possibles et qui a cherché sans doute le bateau le mieux optimisé économiquement parlant, sans probablement prendre le bateau le plus résilient ou le plus sûr. Pour vous, il faut y réfléchir. Quelles sont les externalités négatives que vous générez? Et est-ce que, si vous n'avez à les payer, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites peser autour de vous? Voilà mes Merci. réflexions autour d'un bateau qui se plante dans un canal. Merci Jean-Christophe de nous avoir emmenés comme ça dans cet univers un peu chaotique. Alors il y a un commentaire de Mathieu qui dit qu'il a également récemment vu l'exemple d'OVH avec son data center qui a brûlé et les sauvegardes dans le même bâtiment. Alors, je pense que pas toutes les sauvegardes, a priori, n'étaient dans le même bâtiment, Mathieu, de ce que j'ai compris, mais j'ai lu simplement le commentaire, la déclaration du directeur général d'OVH. Et est-ce que tu as pu finalement, ou est-ce que les gens auxquels tu fais référence ont pu récupérer quand même leur sauvegarde un peu plus tard? Ils ont fait un communiqué de presse et je crois qu'il y a 15 à 20% des clients qui étaient impactés qui ne pourront jamais récupérer leurs données s'ils n'avaient pas pris l'option multi-site pour les sauvegardes. Et vu qu'ils n'avaient pas fait de sauvegarde eux-mêmes externalisée, ils n'auront pas de récupération de leurs données. Voilà. Intéressant. Il y a eu un Moi, ce que article. j'avais cru comprendre, c'est que les serveurs de sauvegarde avaient été éteints pour permettre l'intervention des pompiers et que rien que ça, pour le remettre en route, c'est tout un sujet, quoi. Mais Ils ont fait un communiqué sur 4 pages avec l'ensemble des données irrécupérables. De toute façon, ils l'ont indiqué. Oui, un bel exercice de transparence, de crise d'ailleurs, de communication de crise. Il y a une remarque de Frédéric qui dit que la taille de ce bateau lui fait penser à la taille des lots de Goldratt. On est exactement sur ces sujets-là. On optimise le coût du trans le on optimise en fait la le coût unitaire du container par bateau. Et finalement, on fragilise le flux. Donc, dans une usine, si vous transportez vos objets dans des petits paniers ou dans des grands containers, vous allez faire des transports plus fréquents et vous allez dire, oh, mais les transports plus fréquents, c'est un problème parce qu'on a des collaborateurs qui vont faire beaucoup plus de kilomètres. Oui, mais vous allez avoir moins d'objets immobilisés dans le transport. Moins d'objets immobilisés en attente du transport, en transport et en débarquement à l'arrivée. Donc, ce qu'on fait en faisant des gros bateaux comme ça, c'est qu'on augmente les stocks mondiaux de produits qui ne sont pas consommés. Alors, il y a un aspect sur lequel tu pourrais développer un petit peu, puisque tu n'es pas étranger à la chose militaire, et il y a longtemps que les militaires expliquent que un plan, ça suffit pas, il en faut au minimum un deuxième, qu'on appelle souvent le plan B, et probablement un peu plus. Est-ce que on peut essayer de comprendre pourquoi, et peut-être que Patrice d'ailleurs peut intervenir. Tout le monde peut intervenir sur ce sujet, mais peut-être Patrice a quelque chose à contribuer. Pourquoi et comment on construit un plan B et à quels endroits il faut se poser la question de l'alternative? Donc, ce qui est certain, c'est que les militaires ont cette habitude de l'aléa. Et la fameuse expression de Chirac vient probablement de son temps en tant qu'officier.
Donc, à partir du moment où on est exposé à l'aléa, on comprend qu'on a besoin de le prévoir. On a une expérience qui nous dit oui, mais et si ça se passe mal? Alors, ce que font les militaires, c'est qu'ils envisagent à chaque fois le mode dégradé. Le mode dégradé, c'est comment on fait si on n'a pas la technologie. Donc, c'est assez pénible hein, parce que je me souviens de cette époque où j'avais un navigateur terrestre. Donc, je devais donner le point de ma position et la position où on envoie les obus au mètre près. Et j'avais dans mon char un engin, un calculateur qui tiendrait dans une montre aujourd'hui, qui calculait ma position en fonction du nombre de tours de chenille et de l'orientation de mon char. Donc il y avait une centrale à inertie dans mon char, c'est-à-dire le degré de technicité qu'on avait. Et pour autant, on nous demandait toujours de calculer ça par trigonométrie, de faire des calculs pour le cas où. Bon, évidemment, le jour où on a besoin du calculateur, il fonctionne pas. Le gars qui est chargé de s'en occuper a fait une connerie, il n'a pas recalé, etc. Donc, c'est ce moment-là, on est bien content d'avoir appris et d'avoir travaillé le fameux mode dégradé qui ne sert jamais en théorie, mais qui en fait va servir tout le temps. Donc, ça c'est je dirais le. C'est probablement ce qui a poussé les militaires en premier, quoi. C'est-à-dire, oui, bien sûr, on a un fusil, mais on va quand même apprendre à se servir de la baïonnette. On ne sait jamais. En théorie, on aura toujours des munitions, mais c'est arrivé à des gens de ne pas avoir assez de munitions. Maintenant, la réalité, c'est que, quels que soient les plans qu'on fait, la première victime du plan de bataille, c'est la première victime de la bataille, c'est le plan de bataille. Et d'ailleurs, c'était très bien résumé par Mike Tyson. C'est tous les gens qui viennent, qui montent sur le ring face à moi ont un plan. Et le plan s'arrête au moment où mon poing rencontre leur mâchoire. Patrice, quelque chose à rajouter en complément? Je ne suis pas un expert militaire, mais peut-être que dans le truc que je retiens, c'est une version de la subsidiarité à laquelle on ne pense pas. Le fait que, justement, quand le plan explose, ce n'est pas l'état-major qui réagit. Plutôt, ce n'est pas d'abord l'état-major qui réagit. C'est d'abord sur le terrain le fait qu'il y a une confiance qui est accordée. Alors, en partie parce que les unités de terrain sont lourdement entraînées, notamment à agir en mode dégradé, mais fondamentalement, c'est la latitude laissée au terrain pour l'interprétation des ordres et aussi l'interprétation de la pertinence de lâcher le plan. Est-ce qui sous-entend que le terrain ait une bonne compréhension de la direction où on va? Et c'est souvent là que ça finit par faire différence. C'est-à-dire que la panique, le chaos de certaines batailles étaient essentiellement liés au fait que la direction de marche initiale était devenue floue avec le temps de la bataille. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'avec les moyens de communication, tout ça a changé. Mais il suffit de regarder Internet pour s'apercevoir que ça rajoute probablement beaucoup plus de chaos par les flots de nouvelles et de contre-nouvelles que ça offre. Un point peut-être de Frédéric qui est intéressant, il dit c'est quand même incroyablement coûteux en ressources d'évaluer chaque alternative. Et donc, après tout, est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir l'optimum et puis de vivre avec le chaos quand il arrive? Ça, c'est moi qui le rajoute. Ben, à condition justement de ne pas avoir optimisé. Si on optimise, on ne réserve pas des marges de manœuvre.
Mais en revanche, les marges de manœuvre pour qu'on puisse se les payer, il faut les mettre essentiellement dans la protection du goulet. Voilà qui nous ramène à la théorie des contraintes. Pour tous nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce vocabulaire, nous sommes des grands fans de Ellie Goldratt et de la théorie des contraintes. Et donc, si vous avez besoin de décrypter tout cela, nous vous conseillons à toutes et à tous la lecture du livre Le But, qui est facile d'accès et qui permet de comprendre les bases de la théorie des contraintes. Merci infiniment pour ce moment passé ensemble. Bon réseau à vous en ce week-end pascal. Donc, si vous avez un peu de temps et du décalage horaire, il y en a tout le temps. Donc, pensez à appeler les amis du bout du monde. Et puis, préparez-vous un plan B parce que pour tous ceux qui partent en week-end alors qu'ils ne devraient pas, vous allez vous faire attraper par la patrouille. Et vous aurez du mal à expliquer que les maillots de bain qui sèchent à l'arrière de la voiture, c'était pour un rendez-vous professionnel, sauf bien sûr pour tous ceux qui vendent des piscines olympiques aux municipalités. Ouais, mais c'est bon, ils ont le droit de bouger maintenant, c'est jusqu'à lundi. Ah bon? Après, vous bougez plus, Après, on ne bouge plus. hein. On va développer son réseau à distance. À bientôt. Ne mettez pas le porte-container en travers du canal. Et Et on à se la retrouve la semaine semaine prochaine. à 10h30. Ciao, ciao. Bon week-end. Bonne fête à tous.